bonjour, bon matin, bonsoir. Même pas pris un respire entre les deux jours. Ben non, c'est pas grave. Ça a passé vite, hein, j'ai même pas dormi. Bienvenue au petit bonheur dans cette émission. Est-ce qu'on parle de ce genre de sujet en très bien, en bonne compagnie? Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, son nom Chuck, je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs. Vanessa! Hello! Oui, tu m'as, oui. Je tellement disturbed. Ouais, le... Guilla! Bulldog Baza! Et de notre invité, Vincent Descoteaux! Allô, j'allais dire ça. Yes, ça va bien! Ouais, j'ai rencontré ce monsieur-là il n'y a pas longtemps. Il a de la faim, il a de la vraiment faim. Ah oui, oui, absolument. On a passé un truc. Je trouve ça un patin. C'est Jules. Ouais, ben oui, vas-y, oui. Sors un patin. Parce qu'il a dit, ben, premièrement, bonne nouvelle, ça a l'air qu'il fait une tournée avec Max récemment de leur meilleure chanson. Fait que, Mais genre version rock ou juste guitare? Un peu acoustique. C'est le doute qu'ils écrivaient, en fait. Ils s'occupent de l'instrumental. Fait que je pense être là, ouais, non, moi je vais aller voir ça parce qu'on est en métal. Je veux une version mandoline de ben ça. Oui. Là, c'est... Ah oui. Mais non, non, très très fin garçon. Puis m'apprend un truc aussi. Ah, je l'ai dit dessus, ça. Ah oh, ouais, on va y aller. C'est son neveu qui a fait fermer le Twitter de Tout le monde en parle. Ah! Ouais. Ça, c'est drôle. Là, il l'endosse pas, il est pas content. Là, ben non, c'est sûr. Oui, non, c'est ça. On taira son nom. De toute façon, vous pouvez le trouver si c'est sur Internet. C'est ça, c'est pas nécessairement relié, mais il est juste comme. Ah, Seigneur. Pas fier de lui. Ah, cibole de. Ouais. Cibole! Non, bon, Jack, bon monsieur. Fait une très bonne émission d'ailleurs sur les ondes de. Un poste à Longueuil de Radio Communautaire. Un poste à Longueuil. Il commence à avoir un chiffre. C'est un poste communautaire à Longueuil. C'est pas Choc? Oui, t'es tellement plugué. C'est 103.3, ouais. Choc FM, CHOC, par the way. C'est pas Choc F, Choc, ouais, Choc de l'UQAM. Non, c'est pas le Choc de l'UQAM, c'est ça. C'est Choc okay. CHOC. On vient tellement de bien se compléter. Je te présente à ma mère dans 3 secondes. Ça va me faire plaisir. Ah, écoute. Ça va me faire plaisir. J'en ai Monique! On a fait de la radio là-bas. Je pense que toi, Monique. Pour la vie. Mais t'as le même nom que la radio. Ben oui. Et c'est célibataire, t'as m'a mis au monde. Je m'en ai tellement de tes fins jeux de mots. Le petit bonheur, c'est pas compliqué. Je lance des sujets au hasard. On en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du mercredi. Les après-party de sous-sol quand t'étais ado. Les après-party de sous-sol quand t'étais ado. Je vous replace. Vous avez des parties, ça finissait à 1h, 2h, 3h du matin. Des fois, t'avais du monde qui disait « Ah, il faut que j'aille me coucher avec mes parents. » Puis il y en avait d'autres que t'avais un petit peu plus la liberté de pouvoir dire « Ah non, je peux revenir un peu quand ça me tente. » Fait que là, qu'est-ce que tu faisais? T'étais sous dans les rues de peu importe, ou t'allais au resto, ou t'allais rejoindre des amis. Ou... Y est-tu arrivé des anecdotes d'après-party de sous-sol quand vous étiez ado? Bon, là, je vais compter des affaires, je pensais pas dire dans un podcast qui s'appelle Le Petit Bonheur. Let's go! On est là pour ça! Ça peut-tu être ado ou jeune adulte aussi? Jeune adulte, toi aussi. Ok, cool, parce que moi, l'adolescence, en fait, le highlight de mes soirées, c'était quand je me louais 10 VHS pour 10 jours pour 10$ au Vidéotron. Ça, c'est nice en crise. Ben oui, non, c'est sûr. Ça, j'avoue que moi, là, aussi, j'étais ado. Mais rendu secondaire, je mettais un peu plus avec les punks, fait que je te dirais que la préparité dépendait vraiment beaucoup de la drogue que t'avais pris. Ben c'est, oui. C'est ça, c'est un moment, il y avait une espèce de. Tu sais, tout le monde était là tout en même temps, puis les boss se séparaient, puis une année, ça finissait par. Du monde que c'est fini, puis d'autres que ça va durer une journée au complet. Fait que, oui. Non, t'avais ce moment-là un peu intéressant où les gens qui étaient sur le moche n'étaient pas encore débarqués. Fait que ça signe un peu plus sur comme qu'est-ce qui se passait. Puis c'était tout le temps les 5-6 mêmes personnes, mais c'était tout le temps bien, bien, bien intéressant. Il y a même un moment, cibole, ouais, ça, je vais le compter comme un après-party. Tu connais le concept d'un sous-marin? Non, jamais. On prend quelqu'un sous puis on le met dans l'eau jusqu'à temps qu'il respire. Oui, oui, exactement. C'est parce que quand t'es sous, t'as des pouvoirs. Ça, tu le penses quand t'es sous toi aussi. C'est... ouais, ouais. Fait que non, un sous-marin, en fait, c'est quelque chose qui a été inventé par, si je me souviens bien, Bowie. Ou en tout cas, il en parle dans un documentaire. C'est que tu bloques toutes les fenêtres et toutes les portes pour que tu saches pas, en fait, s'il y a de la lumière qui rentre. Fait que tu sais pas si c'est le jour ou la nuit. T'enlèves tout ce qui peut te donner l'heure. Puis tu perds un peu la notion du temps. Fait qu'après c'est bien hot! C'est intéressant, on va dire ça de même. Puis après ça, tu fais des drogues pour perdre un peu ta perception. Mais tout en restant toi-même, faut que tu sois avec des gens de confiance, c'est sûr et certain. Même d'année, tu finis par avoir vécu une belle expérience de transe dans un lieu qui est le vôtre pour une certaine période de temps. Ça peut t'as vécu ça? Ouais, ça peut durer 12 jours comme ça peut durer 2 semaines et demie. Semaines et demie était violent par contre. C'est ben, pas violent dans le sens qu'on se battait, c'était juste que. C'est... Mais attends, au bout de 2 semaines et demie, vous êtes dans le même endroit? Ouais, on est dans le même endroit. Vous savez plus si on est le jour ou la nuit? On avait un logement complet, on avait de la bouffe, des affaires, c'était l'expérience. Pour toffer 2 semaines? Là? Ouais, exactement. C'était chez Julia. Vous étiez combien de personnes? On était 15 au départ, mettons, qui étaient embarqués dans le projet. On était 8 vers la fin. Puis j'ai dit vers la fin, je suis parti 2 jours avant la fin, si je me souviens bien. Vous n'avez pas mangé du monde là-dedans? C'était l'essentiel de mes vacances chez Vidéotron, d'ailleurs. Non, mais je pensais qu'il allait y avoir du cannibalisme à Non, 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 non. On n'avait pas les drogues pour ça. On fait pas de bath salt en général dans ces cas-là. Okay. C'est un peu plus dans le psychédélique puis les trucs. Fait que c'est on restait juste bien tranquille. On écoutait beaucoup de gens le loup. On a composé. Il y a un album qui s'est composé pendant ce moment-là. Le bébé. Ah.
Ouais, ouais, non. Give peace a chance. Ben oui, absolument. Mais, on est... mais fait que là, pendant deux semaines, vous étiez fermé, vous savez pas, il était quelle heure, c'était quoi le temps. On écoutait La Petite Vie au complet. On avait, c'était un ancien, tu sais, je suis quand même vieux aussi. Fait qu'on avait pas toutes des cellulaires aussi. Fait qu'on avait pas l'obsession d'aller sur Facebook, des trucs. On avait même pas tout un profil aussi. Fait que ça, non, ça se passait bien. Je leur ferais jamais de ma maudite vie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais. Mais, ouais, je regarde pas nécessairement de l'avoir fait. Fait que ça, c'était mon vrai party. C'est une méchante expérience. Surtout que c'était un peu improvisé. Tu sais, ça a parti d'un party. Mais non, on fait un sous-marin. On verra combien de temps qu'il dure. C'était pas le plan de toffer deux semaines. C'était juste le fait que. C'est tellement drôle parce que ça ressemble tellement au game de risque. On part sur le game de risque. Tu sais jamais combien de temps ça prend, 2 heures ou ça prend 12 jours. C'est la même affaire. Un sous-marin, une game de risque, pareil. On a sûrement joué une game de risque à m'amener dans probablement. C'est sûr. On a tellement joué à Mario Kart. Oui, ça devait. Ah non, mais c'était important. Mais facile la game, genre 3 fois, juste pour se refaire des records. C'était juste comme. La seule chose, on n'est plus même personne. On se trouve-tu d'autres noms? On joue à Mario Kart, juste voir si ça change. Ça change rien. Mais ça change rien. Ah, c'était écœurant. Non, c'est très, très bon. Très, très bon exemple. Des parties d'après sous-sol quand vous étiez ado ou jeune adulte? Mon dernier party de sous-sol, je vais avoir 26 ans. OK. C'est vieux, ça, pour un party tout seul. Mais c'était pas censé être un party tout seul. Ça a juste turns out que ça a fini un party tout seul. J'ai un ami à Mascouche. OK. Puis, moi, pour vrai, ce que j'aime des parties d'après tout seul, puis... pour ceux qui ont vu le film Prank. J'ai pas vu encore, je l'ai là. Il y a mon moment préféré. Je t'annais de l'avoir mais pas de l'avoir vu puis que t'arrêtes pas d'en parler bien puis mon moment préféré d'après party puis c'est quand il est 4h du matin puis il y a des lueurs qui commencent dans le ciel. Fuck oui, man. Puis il y a un moment comme ça dans le film puis moi ça me ramène vraiment à genre une petite happy place. Genre j'ai comme un petit tipi intérieur qui se forme puis je suis comme mais je tombe bien en ce moment. Puis dans les parties d'après tout seul, c'est ça, la dernière fois que j'ai vécu ça, il y a 4-5 ans. 5 ans, ouais, il y a 5 ans. Après cette dernière partie tout seul-là que j'ai eu dans ma vie. Mais adolescent, j'ai des amis, ça mettons qu'on couchait là puis qu'on finissait par pas dormir tout ça. Ce moment-là où est-ce que j'ai des lueurs puis c'est l'été. T'as rien, t'as pas de responsabilité. T'es pas chaud, t'es pas froid, t'es juste bien. Pis t'as comme des oiseaux qui commencent à piailler. Mais je vais brailler, c'est tellement. Ouais, ça me reach tellement. C'est le meilleur moment de post-party pour moi qui existe. Que tu sois sous, que tu sois à jeun, que t'aies pris quoi que ce soit, ce moment-là est parfait. Je renchéris sur ce que tu as dit. Oui. Juste te dire, Boucherville, ça m'est arrivé beaucoup de fois. J'étais un peu petit king du party quand j'étais dans ma jeune. J'étais jeune adulte, c'était quand on parlait de. 16, 17, 18 ans. J'avais perdu énormément de poids. J'étais beaucoup, beaucoup plus en confiance. Et ça passait à Boucherville, mais j'habitais à Saint-Lambert dans le temps. J'avais des parties. J'en avais beaucoup de parties là-bas. J'en faisais tout le temps des parties. J'étais un gars de party. Et j'avais à 3-4 heures, justement, la lueur. J'avais une blonde dans le temps. J'étais amoureux comme ça se pouvait pas. Puis j'avais des amis puis tout. Puis il y a des monts à Boucherville, des petits monts, des espèces de pyramides qui ont lieu en arrière du... Bon, ceux qui habitent en Rive-Sud ou ceux qui habitent à Boucherville savent de quoi je parle, mais en arrière du centre multiculturel, il y a des monts pis tout, et on s'accotait là-dessus et on regardait la lueur et le soleil qui arrivait et justement, il faisait une température parfaite. La blonde à côté, t'es là pis t'as comme 16, 17, 18 ans et tu penses que le temps... T'es invincible. Ouais. C'était magnifique. À Gatineau, un peu comme ça, je fais une petite parenthèse. Il y avait un endroit comme ça, il y a un quartier dans Hull qui s'appelle le Dôme. Quand j'étais petit, je pensais que le Dôme de Jean-Leloup, c'était le quartier du Dôme. T'es naïf. Où il y a une école de cirque, d'ailleurs. Fait que tout est dans tout. Oh. Oui. Il y a vraiment une école de cirque. C'est toi qui écris le sujet. Qu'est-ce qui se passe? le petit bonheur, le petit secret pour nous. Oh. Mais il y avait une espèce de monticule en ciment. J'ai jamais trop compris ce que c'était. Ouais. C'était genre... Espèce de boss. Non, mais c'était une butte en ciment. C'était... Okay. Puis il fallait comme escalader ça, mais en courant à toute vitesse pour se rendre au sommet. Parce que sinon, tu te rendais pas. Parce que sinon, tu tombais, puis il fallait que tu te réessayes, puis tout ça. Puis c'est ça, les moments à 4h du matin, c'était là que ça se passait. Avec mes amis du cégep, puis c'était magnifique. Vanessa, est-ce que tu as eu des moments de même, peut-être, des parties d'après sous-sol, le fun, veiller, aller des rues? J'étais plate, la petite fille sage. Même à mon bal de graduation, j'avais une heure limite, là. Je pense que c'était quelque chose comme ça. J'ai pas eu le droit d'aller au party. En fait, il y avait comme un mini party qui s'était fait par la bande dans une chambre d'hôtel. C'était ultra contrôlé. Puis je surveillais tout le temps l'heure parce que j'avais peur que mon père arrive et pourtant je faisais rien de mal. Voyons. Mais ouais, j'avais des parents sévères. Tu sais, je leur en veux c'est pas. Vrai. Mais puis c'est peut-être correct aussi parce que j'étais une petite fille bien naïve. Fait que j'aurais fait des mauvais choix, c'est sûr. C'est sûr. Il n'y a jamais de mauvais choix qui s'est fait dans un après-bal dans une chambre d'hôtel. Non, c'est juste. Dans l'histoire des balles. Dans l'histoire des balles au complet. À Cendrillon, ça a mal tourné pour elle. Ça a rebordonné une citrouille. Non, mais
c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'elle rentrait chez eux. C'est vrai. À ses restos party, tout aurait été fait. C'est ça que ton père voulait te protéger d'eux, les. Ouais, totalement. De tes estifées marraines colle. Avec tes méchantes sœurs. Belle sœur. Ah ouais. Mais sachez que je me suis reprise par la suite, moi, quand je suis devenue la sorteuse chronique. Born to be wild! Ben, Vanessa, là. Ouais. Ouais, je pourrais pas raconter. La déferlante Vanessa. Ouais. Ouais. Je vais pas faire de name drop, mais j'ai veillé en masse. Mais t'as pas besoin de la raconter, toi, t'es dans la deuxième saison de Barmaid, voyons. Oh, que vous pouvez voir à vie. Là, t'enlèves ton masque. Vous pouvez voir ça sur www.pegase.com. Cibole, non seulement c'était wild, mais c'était mal scénarisé. Ben, c'est parfait. Deuxième et dernier sujet, rapidement. Une célébrité récente que vous avez rencontrée et qui vous a un peu chamboulé. Ah, Cibole. Est-ce que c'est arrivé ou est-ce que vous êtes du monde qui font comme... Ben non, même le monde connu ou peu importe, parce que dans justement, je travaille un peu... Sens où on ben, pas ça, aimé ça la te disturbe. Ben oui, ça te rend compte, puis ça te fait un petit quelque chose. Mais là, il faut qu'on name drop. En bien, en mal. Ben oui, absolument. Oui, tu name drop du monde. Okay. En bien ou en mal, absolument. Bon, OK, garde. Je vais name dropper, là. Un des meilleurs parties de ma vie, c'est avec Plume la Traverse, puis les mauvais compagnons, ouais. Et ça s'est fini. Pas tard, ça s'est fini tôt le matin. Yeah! C'est un des meilleurs moments de ma vie. Puis Plume, c'était pas mal mon idole plus jeune. Fait ouais. Que c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai du respect. Parce que d'ordinaire, je rencontrais plein de monde connu, mais j'en avais rien à foutre. Là. Pour moi, tout le monde est égal dans la vie. Mais Plume, ouais, j'ai eu un petit feeling de « Ah, oh, wow! » Tu parles beaucoup de Plume, puis il a vraiment l'air de t'avoir marqué. J'ai beaucoup de respect, même pour Michel Letraverse, c'est pour l'auteur aussi. Là, oui, pour l'homme qu'il est. Et tout, exactement, pour l'ensemble de l'œuvre et la personne. Ouais, c'est un bon exemple. Moi, j'ai rencontré, puis là, on va vraiment sortir des sentiers battus, mais j'ai rencontré Ariel Rebelle. Ah! La porn star, Ariel Rebelle. C'est une femme très, très connue du milieu du X au Québec. Elle est minuscule, elle est tout petite, et super, super, super gentille. Puis dans le fond, pourquoi, tu sais, son casse de profil, c'est un peu The Girl Next Door, c'est la fille simple, qui est juste cute, puis tout, mais ça s'avère que c'est une porn star assez importante au milieu du X au Québec, une des plus connues, là, avec aux États-Unis, en fait, aussi. Oui, elle a une réputation aux États-Unis aussi. Elle a un branding, en fait, genre, c'est bon. On m'a dit récemment, je parlais trop de porn, mais ça donne. Non, mais c'est correct. Ben, j'ai fait beaucoup de sessions en porn, en fait. C'est pas ça donne Montréal, c'est la deuxième capitale de la pornographie. Ouais. Oui, parce que t'as le building avec le light bulb, là, comment ça s'appelle? Le salaire de ton péché, c'est l'enfer. Oui, ouais, ouais, dans des caries. Ouais. Le building avec le light bulb, là. C'est eux qui ont Brazzers. Je pense que c'est MindGeek. MindGeek, voilà. MindGeek qui engage beaucoup de monde de mon milieu. En fait, c'est fait du montage. Ils ont des très bons emplois. Ils viennent faire une plug gratis. Très bien payé. Non, mais absolument, très bien payé, mais c'est juste que tu montes la porn. Oui, c'est indiqué, c'est un peu dole, là. Je vous cacherai pas que c'est mieux monter 19-2, là, mais c'est oui, c'est sûr. Mais en tout cas, bref, non, c'est ça, c'est qu'elle est quand même assez connue, elle est assez respectée aussi, parce que c'est pas une niaiseuse, ça fait quand même bien du sens, puis c'est une de celles qui a percé un peu aux États-Unis. La branding est assez claire, en fait, puis elle a bien tiré son épingle du jeu, tu sais, spécialement pour les filles, c'est pas nécessairement facile là-dedans, parce qu'il y en a, énormément aussi. Oui, il y en a beaucoup. Mais c'est pas une actrice qui est considérée comme interchangeable, tu sais, par exemple. Fait que, non, c'est ça, elle est connue, puis elle gère bien et intelligemment sa carrière. Puis, absolument. Fier d'elle, Seigneur, nom de Dieu. Tout à fait. Et quand j'ai serré la main, puis j'ai vu pour la première fois, j'ai fait. Puis le pire là-dedans, c'est que je n'ai vu aucune, tu sais, comme de vidéo de production de elle. Je sais par contre c'était qui. Puis j'ai entendu en long et en large parler de cette femme-là parce que j'ai vu dans des documentaires, j'ai vu en fait dans la série XXX de Z là avec Mélanie Ménard. Je me rappelle plus c'est quoi, mais en tout cas, bref, il y a une série sur le X qui est sortie à Z Télé qui était excellente d'ailleurs sur le milieu de la porno. Et c'est plate que ce soit pas filmé, mais genre j'ai déjà fait un hommage. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Et on l'a vu d'ailleurs dans les recettes avec François Chénier de Carla Cacharet. Et c'est dans le fond, c'est ça. Pat le chef, exactement. Petite parodie de Bob le chef, mais très, très intéressante. Et la fille, super cool. Et quand j'ai vu, en vrai, j'ai fait comme, Caroline est sharp, elle est fun, elle est drôle, elle a du fun. Puis elle était juste là pour voir, en plus, Bob le chef qui a fait du stand-up. Qui l'aurait cru, mais il fait du stand-up. C'est vrai que c'est bon, en plus. C'est pas mauvais. Il y a un numéro assez cool. Le fun pour vrai. Ben, il parle de bouffe. C'est pas un sujet qui est tant exploité, en fait. Puis pourtant, c'est quelque chose auquel tout le monde peut se rattacher. C'est weird qu'on y a pas pensé, en fait. Là. Non, je suis fier de toi. Il est bien smart aussi, ce garçon. Ben, cool. Sinon, vous, dans le fond, quelqu'un qui vous a struck en bien ou en mal? Quelqu'un avec qui j'ai discuté il y a pas longtemps, Rosemée Autonne-Témorin. Urbania. D'Urbania. On a jasé, pour une raison ou une autre, on a jasé au téléphone pendant peut-être une vingtaine de minutes pour un projet qu'elle avait.
Puis c'était vraiment une belle discussion. Okay. Je trouve que j'en suis ressorti grandi. Elle avait des bonnes questions. Puis ouais, en 20 minutes, j'ai comme d'abord t'es allé genre dans les bons points, puis elle m'a fait dire des choses que je pensais pas dire nécessairement. Je peux pas trop en parler parce que c'est un relativement sous le couvert de l'anonymat. Oui, non, il y a pas de problème, mais t'as parlé à Rosalie. Ouais. Puis on s'est vu après ça à Gatineau dans le cadre du festival Transistor, puis on a continué de jaser, puis c'était vraiment une belle rencontre, quelqu'un de très très cool. Ouais. Cool. Très, ouais, très cool. Très sympathique. J'ai adoré cette personne-là. Tout à fait. Elle a l'air extraordinaire, en fait, ouais, cette personne-là. Je suis fier de toi, ouais, Seigneur Dieu. Je veux aller à Urbania juste pour amener jaser de quelque chose. C'est... Elle a fait un article à un moment donné sur genre être barmaid dans un bar de région. Puis... Wow. C'est ça qui m'a donné le goût de vivre. Wow. Mais en attendant, je vais en plugger deux. Un très rapidement, en fait, parce que je vais y faire une plug. Pascal Plante, jeune réalisateur, celui qui a, ouais, fait les faux tatouages. Ouais. Ça donne juste que ce film-là m'a complètement reviré à l'envers. Ah, puis ouais, c'est, puis pour les gens qui aiment le podcast, il fait aussi Point de vue. Oui. Avec Paul Andriot et Rémi Fréchette. Oui. Très bon podcast. Très, excellent, très bon podcast. Ouais. Ça a été le seul podcast du cinéma pendant très longtemps. Ouais. Ils font leur recherche puis ils connaissent leur shit. Fait que checkez ça, c'est très très bon. Non mais Pascal, en fait, c'était juste un adon, c'est un ami de ma copine, puis il est pas connu, il a fait un film en fait qui a pogné pour un film québécois. C'est juste que ça donne que c'est un film qui m'a probablement touché. Fait que ça m'a juste fait de quoi, parce qu'il m'a suscité en moi énormément d'émotions. Puis je m'attendais pas à le croiser. Fait que j'ai fait merci, je suis reconnaissant pour la personne que je suis depuis ton film. En fait, ouais, fait que ça c'était groupie de ma part d'y dire, mais je le regrette pas. Puis maintenant quelqu'un qui te fait chier puis qui t'a struck. Non, ça c'est plus une gaffe que j'ai faite, mais j'la trouve funny. C'est dans le temps que je travaillais au Apple Store. Ça je peux en parler. C'est tu sais, on croisait beaucoup de monde parce que souvent on finit par se ramasser au Apple Store comme une fois. J'ai croisé Garou, puis j'étais comme, fallait que je me morde la langue pour pas rire. C'est pas comme lui, je trouve ça hilarant par la Garou. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, il y a une madame qui arrive, puis elle me dit quelque chose. Fait que tu sais, je vais la voir, je dis, ah, excuse-moi, t'as besoin d'aide? Fait que là, genre, je l'aide pour un case, puis j'étais comme, genre, tu me dis vraiment quelque chose? On s'est-tu déjà croisé dans un party, quelque chose? Elle fait comme, non, mais je m'appelle Mitsu. Fait que c'était pas un party, j'ai juste eu Musique Plus à un moment dans ma vie. Mais c'est... Fait que là, on se met à jaser, puis elle est bien blood. Là, fait que là, on se met à parler d'affaires puis de trucs, puis j'y parle que je commence à faire de l'humour. Fait comme genre, ah ouais, tu sais, comme continue, comme ça prend du temps, une année, tu vas trouver ta personnalité, puis ça va être le fun. Fait que là, je m'intéresse à sa vie, puis comme, puis c'était quoi ta journée? Puis là, fait comme, ah ouais, ce matin, grosse journée quand même, là, j'ai fait de la radio à 5h du matin, j'avais un tournage juste après, là, faut que je fasse ça, puis ce soir, je m'envoie un 50e. Puis moi, du tac au tac, je réponds ton 50e. Oh, 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 aïe, aïe! Wow. Ouais, ça là, j'ai pas le droit de demander ça à Mitsu. T'as pas le droit de demander ça à Mitsu. Non, dans ça là, j'avais vraiment pas le droit de demander ça à Mitsu, mais à ma défense, drôle, elle a fait genre, non, pas encore. Puis là, j'essayais de défendre le fait, genre, tu sais, ce moment-là où tu penses que tu vas remonter, mais tu te cales encore plus, j'essayais de défendre le fait que genre, non, mais moi, j'aime vraiment ça vieillir, là, je trouve que chaque année est meilleure d'une à l'autre, mais genre, comme, faut quand même pas expliquer ça à Mitsu, on a pas le même âge, on a pas le bagage, ouais, tout. Mais après ça, je me suis pas ostiné. Mais je me sens pas cave d'avoir pensé ça, parce que bye bye mon cowboy, c'était avant ma naissance. C'était avant ta naissance. Fait que c'est ça, genre, je m'en vais checker ça. Puis je constate qu'elle était mineure quand elle a fait ce clip-là. Oui. Fait que ceci explique pourquoi qu'elle avait pas 50 ans, mais ça explique pas pourquoi qu'elle était mineure quand elle a fait ce clip-là. Ça n'explique pas ça. Non? Fait que ça a été un moment où j'ai vécu un moment avec une célébrité, ça c'est. Quand j'ai présumé que Mitsu avait 50 ans. Je m'excuse, wow. Mitsu. Excellent, excellent. Je te dis que t'as une très belle peau, puis que je respecte ta carrière, puis que c'est extraordinaire, puis que t'as l'air d'en avoir 15. Que... Wow. Je remercie mes collaborateurs et je remercie notre ami Vincent. Merci, ben, Vincent. Ça fait plaisir. Merci, merci Vanessa. Salut Mitsu. Merci, bah, gars. À demain. C'est le différent d'aujourd'hui. On se rejoint demain pour jeudi. Bye.